À cet instant, elle découvre la une de Charlie Hebdo. Nassira dit comprendre cet humour sans pour autant l'accepter. Bon, on va dire que c'est choquant parce que c'est quand même attaquer un prophète. C'est tout ce qui est religion. Nous, notre point de vue, c'est qu'il ne faut pas en toucher. De son côté, Mani estime avec crainte que cette provocation, cette caricature, risque d'avoir des conséquences. Mais ils n'ont pas peur des représailles, quoi. Je veux dire, ça fait peur. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. Il ne faudrait pas que ça dégénère encore, mais je pense qu'il y a des gens qui vont être encore touchés. Lui aussi est choqué. Il est imam. La caricature du prophète le blesse. Pourtant, il encourage sa communauté à prendre du recul, à simplement l'ignorer. La communauté musulmane, elle doit s'habituer d'être choquée. Et c'est ça, malheureusement, qu'on arrive à ce stade. On est très loin de ce stade. Et la meilleure réponse pour ces gens-là, c'est le mépris. Ne pas tomber dans le piège de la provocation fait partie des messages qui sont diffusés ici, à Radio Gazelle. C'est-à-dire qu'au début, on va être choqué par rapport à l'image, par rapport au texte. Mais par la suite, on va se rendre compte que c'était juste de l'humour. C'était juste un journal qu'on achète au kiosque, qu'on l'achète ou qu'on ne l'achète pas. Hein. Expliquer, décrypter, guider, l'animateur s'attend à répondre à beaucoup de questions des auditeurs demain, jour de la sortie du Charlie Hebdo des survivants.